Omar Gonzalez, je ne peux pas te laisser. Il ne peut pas te sentir. Il ne peut pas. J'ai mal dormi ce soir à cause de toi. J'ai mal dormi ce soir à cause de toi, Omar Gonzalez. C'est Omar. Un noir qui a le nom des Portugais. Toi d'abord, même depuis le départ, tu as été toujours un traître. Un noir qui a le nom des Portugais, Omar Gonzalez. Tu ne t'appelles même pas Omar Tagne. Ou bien, tu ne t'appelles même pas que Omar Douala. Ou bien, tu ne t'appelles même pas que Omar Fomissi. Ou bien, tu ne t'appelles même pas que Omar Ngwe. Omar Gonzalez. Ça, c'est la colonisation. Omar Gonzalez. Où est ton nom de famille? Où est ton nom camerounais de famille? Omar Ngwe, Omar Tinda, Omar Mubanya. Vois les gens. Omar Tinda, Omar... Et en plus, même, c'est même pas comme si tu es comme les francs maigris là, qui sont un peu, qui ont un peu même ce côté blanc là. C'est même pas comme si tu étais eux, qui ont un peu même ce côté blanc là, qui ont une part de sang, de blanc qui coule dans leurs veines. Tu es totalement noir. Mais comment se fait-il que tu ne portes pas un nom camerounais? Il y a les Omar Tinda, Omar Bobda. Non, pas Omar Bobda. Bobdala, tu vois, c'est un nom qui sème la terreur. Si quelqu'un s'appelle Bobdala, tu vois là, ah, c'est mauvais pour lui. Omar Ngwe, Omar Femesi, Omar. Et en plus, tu es noir. Mon petit, ça veut dire que tu as été un trait depuis le départ. Et ce qui m'énerve même dans tout ça, c'est que tu n'arrives même pas à jouer le ballon. Tu n'arrives même pas. Tu es nul. Depuis le départ, j'avais dit, depuis ton match face au Sénégal, ton corps pèse. Tu n'es pas un footballeur. Toi, tu es un rugbyman ou bien tu es un catcheur. Tu dois te lancer dans le rugby ou bien le catch. Quand on avait zoomé sur tes mollets là, j'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas les mollets d'un footballeur de haut niveau. Il va courir comment avec toute la masse là qui est sur son pied. Tu es trop chargé, tu es trop stock. Les grands joueurs sont petits de corps. Regarde les Castelletto, les Cristoforo, ils sont les gars petits de corps. Mais toi, tu es trop stock. C'est comme si tu faisais le MMA, bro. Tu vas courir comment? Tu vas courir. Tu ne peux pas pointer de vitesse. Victor Osimhen te prenait matin, midi, soir. Il était mis dans ta tête. Tu es trop stock. Ne viens même plus à l'équipe nationale du Cameroun. Ne viens plus. Laisse. On va partir chercher un divisionnaire. Voilà, dans notre championnat, ne viens plus calme là-bas. Tu es trop faible. Tu es le plus faible défenseur qu'on a jamais vu. Un défenseur qui contrôle, même contrôle le ballon, tellement que ton pied est chargé que même contrôle le ballon, ça te dépasse parce que le pied pèse. Tu passes autant à mailler les patates. Tu passes autant à mailler les nouilles, du qui pèse. Ça fait que maintenant, tout grossit sur toi. On dit que non, ne fais pas ça. Vous ne voulez pas comprendre. En tout cas, ne viens même plus. Ne viens plus. Tu es trop nul. Tu ne peux pas changer. Un nul resterait nul. On ne peut rien faire. On t'a donné jusqu'à 2 chances. Tu as prouvé que tu es nul. Un défenseur qu'on remplace, jusqu'à Rigobert, son s'est levé, il t'a remplacé. Ça veut dire que c'est grave. Un défenseur, je n'ai jamais vu d'un match où on remplace un défenseur. Si on t'a remplacé, ça veut dire que petit frère, tu étais la boue. Tu étais le Nkunku mélangé avec le Njapshot. Tu étais la boue. Bête. Tu étais comme le Ndolé qu'on avait mal préparé. Quand le Jean Ndolé là, non. Ça puge jusqu'à matin, midi et soir. Ne viens plus. Calme là-bas. Feignant. Et les amis, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube. Voilà, j'ai laissé le lien en description. Voilà, s'il vous plaît, allez me donner de la force. Jusqu'à là, vous êtes moins nombreux à aller là-bas. Et je ne sais pas pourquoi. Alors que bientôt, je vais laisser Facebook pour me retrancher vers là-bas. Allez me donner la force là-bas. Je compte sur vous. Pardon.